Mets ton gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, Macron ton heure sonne. Mets ton gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, Jacques Attali ton heure sonne. Mets ton gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, que ta mère ton heure sonne. Mets ton gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, Edouard Philippe ton heure sonne. T'as vu ça, frérot? Là-bas, c'est la guérilla. Et là, Ils m'ont différé pour ma chaîne YouTube. Ouais. Il y a la vidéo, ouais. Lui, il donne toutes les infos, lui, sur nos positions, tu vois. Ils suivent nos positions et c'est tout du stratégique, c'est de la stratégie. Ces enfoirés. Ouais, je compte. Ils comprennent rien, mais ça fait des années, là. C'est le furon qui a grossi, puis là, ça y est, il a éclaté et le puits est en train de couler, hein. Tant pis, hein. Tant pis. C'est ça. Ouais. Bisous, bon courage à tous les gens. Merci. J'ai pas beaucoup manifesté, mais je suis avec vous. Voilà, on est tous ensemble. Donc voilà, vous attendez quoi pour 2019? Alors, on attend que l'autre con il démissionne un petit peu. Et puis qu'on nous propose des choses plus intéressantes. Parce que ce qu'on nous balance là, c'est des. On a compris que c'était des foutaises, quoi. Moi, je sais que je touche rien de plus. Je suis même pas au. Je touche le SMIC. Je serais pas augmenté de 50 euros. J'aurais rien du tout. Je suis dans la merde. Totalement dans la merde. Comme beaucoup de potes avec moi, lui, il est handicapé, il est dans la merde. Il touche une pension d'invalidité de merde. 800 euros pour vivre par mois, c'est lamentable. D'ailleurs, c'est bon, il faut changer tout ça, quoi. Et après c'est Carlos Ghosn, il touche des milliards. Il touche des milliards et en plus il a presque le maire. Il essaye, quand la justice japonaise essayait de tout ça, il essaye de l'innocenter. Bon certes, il y a présomption d'innocence, ça c'est un fait. Mais il essaye de l'innocenter. Beaucoup de gilets jaunes ont été embarqués, ouais. Qui sortent de prison. Et puis après, son castaneur, là, il gaze, je sais pas combien de personnes. Castaneur, il faut connaître son passé aussi. Ouais, mais c'est un ancien gangster, le mec. Tout à fait. De la mafia marseillaise. Il avait des machines à sous et tout. Tout à fait. Réseau de prostitution, tout ça, on le connaît. Même les flics, ils sont d'accord avec nous, je veux dire. Moi, je connais des flics. J'ai été flic un petit moment. Même les flics sont d'accord avec nous. Ils enlèvent le casque, des fois. Mais on le montre pas, ça, sur BFM TV. Rien du tout. Là, on montre des... Non, on te montre les connards qui sont là que pour taper, pour quoi. Casser, on te montre pas les gens qui... Ils savent très bien diriger les choses. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ceux qui cassent, c'est pas les gilets jaunes, et on l'a très bien compris. Ceux qui cassent... Ce qu'on veut, c'est un changement de vie, quoi. J'ai ma mère qui s'était fait brûler sa bagnole en 2001. Ceux qui cassent, ça n'a rien à voir avec l'arabe, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des casseurs. Ça n'a rien à voir avec l'origine. C'est des racailles. Et les racailles, c'est de toutes les couleurs. Quand, en 2001, c'est quand il y a eu 2002, etc., ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a aussi des skinheads qui ont brûlé des bagnoles. Et ça, on ne le dit pas assez aussi. Donc c'est vrai. Dis-moi, tu veux aller au kilomètre delta ou au centre-ville? Yes! Respect! C'est ça. Hey, et ton copain cow-boy, il est où ton copain cow-boy? Moi, j'ai pas d'argent pour le monde de gasoil. J'arrive à mettre mon camion. Écoutez, je me suis agenouillée devant un camion à eau, devant les CRS. Et puis je me suis agenouillée, il n'y a rien d'autre à faire, je voulais pas bouger et je m'en suis pris plein la tronche. On a été séparés à cause des grenades. J'ai reçu une grenade quasi qui m'est presque passée entre les jambes, qui a atterri. Genre entre mes jambes, j'ai été obligé de courir. Je crois que j'ai battu Usain Bolt, mon frère. Sérieux, j'étais obligé de courir avant qu'elle explose. Ah ouais. Tu vois? J'ai vu en direct, moi j'étais juste derrière toi. On a été coupé en deux, donc il y a Coco et Anto d'un côté, et nous on est de l'autre. Nous on s'est rabattu vers Porte-Maillot parce que, tu sais, j'ai un peu les poumons pris, j'ai du mal à respirer, et en plus je suis venu équipé en mode reporter, pas en mode guerrier, donc voilà. Voilà, je suis venu me reposer un petit peu, après on remonte, et ne vous inquiétez pas pour Coco et Anto, ça va le faire, quoi. On saura se retrouver,
va s'envoyer des textos, ça vous inquiétez pas, on va se rejoindre, voilà, on est deux groupes de deux, quoi. Donc Coco n'est pas tout seul, Anto n'est pas tout seul, Robert Nesta Mérine n'est pas tout seul, je ne suis pas tout seul. One love, à tout à l'heure. Voilà. Hi, macaron. Non, le micron, ça s'appelle le micron. Micron, pas mal, hein, pas mal, pas mal. Le micron, c'est le micron. Parce qu'un micron, quand tu veux chauffer manger, si manger est froid, tu ne vas pas manger. Donc, bon, nous, on doit le chauffer. Pour l'instant, c'est lui qui nous chauffe. Ah, mais ouais, on va se chauffer. Parce que il y a trop de taxes. Mais quand il y a trop de taxes, c'est pas bon. Hein? Il faut trouver une autre solution pour activer la ville. Ça va. Il y a un monsieur, un gilet jaune qui est venu et franchement je le remercie, je ne sais pas qui c'est, mais il s'est mis entre eux et moi à un moment donné. Je voulais remercier ce jeune homme qui a été vraiment très gentil, qui m'a protégé, j'en voulais pas, je ne voulais pas de sa protection, mais au final, bon, hein, j'ai 56 balais, j'avais un peu de mal à tenir, tu vois, les canaux, ouais, bravo. C'est dur, ça pousse. Franchement, bravo, bravo, chapeau. Ouais, et puis c'est... Voilà, c'est pour le pays. Parce qu'on en a marre, on veut plus la République, on veut la démocratie. Voilà. On veut pas de 6e République, on veut une première démocratie qui part du pays des droits de l'homme. Droits de l'homme, les gens de là. Voilà. Voilà. Bon courage, merci. Au revoir. De ma journée, quoi. J'étais venu pour être tranquille, peinard, défiler sur les Champs-Élysées. Et c'est le gros boxon, on se fait canarder. De bombes lacrymo, les CRS, on n'en a rien à battre de nous. Et pourtant, on leur fait rien, moi j'ai rien. Et non, c'est capable. Allez, les gilets jaunes, il ne faut pas lâcher l'affaire parce qu'on va les avoir. Si on lâche l'affaire, c'est la honte internationale. Parce que le monde entier a les yeux braqués sur nous, même aux États-Unis. Putain, la guitare et tout, ouais. C'est vraiment ouais. Tiens, monstre. Putain. Eh, je joue de la guitare à plus haut. Allez, on a tout le moment. Putain, franchement. Mec, comment faut dire? Ah, c'est une basse. Quoi? C'est une basse, c'est tout ça. Yes. Yeah, man. La seule chose que j'ai envie. Yes, aïe. Hop. Wouhou. On te clique, quoi. Ouais, bonsoir, jeune année. Bonsoir, jeune année à toi aussi. Jeune année. Voilà, bon, pour l'instant, c'est... Et grosse année pour lui. C'est un petit peu timide pour l'instant. Mais peut-être que ça va arriver. Et vous attendez quoi pour 2019? Dégage, nouvelle République, on n'en parle plus. Déjà tout voilà pour ballon, on part à zéro. Tout simplement. Voilà, avec la mise en place du RIC, etc. Exactement. Voilà, ben c'est ce qu'il faut, hein. De toute façon, moi je pense perso qu'il faut que ce soit le peuple qui préside et pas le... C'est censé nous représenter. Voilà. Pas là pour représenter les riches. Il ne faut pas qu'ils oublient que ce soit le peuple qui décide. Et eux, ils sont juste là pour. Grâce à nous, élus du peuple. Voilà. Tu représentes le peuple. Voilà, exactement. Ils doivent nous représenter. Tu ne représentes pas ton cousin banquier ultra milliardaire. Alias Rothschild. Voilà. PS Rothschild. Ben c'est ça, il y a une prise de conscience en ce moment et je trouve ça bien. Ben, je vous dis jeune année. Jeune année. Dédicace à David Benz, mon dada. La petite soirée avec les gilets jaunes, concert. Mais gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes.